Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Dragan. Et on se retrouve, oui, il vient tout juste de sortir. Enfin, il est sorti le 3 et là je vous fais la vidéo le 4 parce qu'il y avait une autre vidéo que je devais sortir avant. Mais on se retrouve donc dans The Casting of the Flagstone, la version complète, et non la démo, dans l'univers de Dead by Daylight. Voilà. Donc c'est fait par Supermassive Games. Ceux qui ont fait donc Until Dawn, The Quarry, etc. Donc, même si j'ai fait le premier chapitre avec vous, ça se trouve, la version, comme la démo n'était pas la version d'origine, il peut y avoir des changements. C'est pour ça que je me suis dit à un moment, est-ce que je laisse la version épisode 1 de la démo pour vous? Et on fait autrement, mais non. On va recommencer avec vous parce qu'il y aura peut-être des petits changements. Donc, on y va ensemble. Normalement, j'ai mis les sous-titres. Je l'espère que je ne me suis pas gouré. Et on va voir, bien sûr, ce que va donner enfin ce petit jeu. Parce que en jeu interactif, ça peut être cool, hein. J'ai tout sacrifié à sa recherche. Un monde au cœur d'une histoire qui m'avait été murmurée des siècles plus tôt. Un pouvoir intemporel, au savoir infini, à la fin insatiable. L'entité. Un royaume si proche du nôtre, mais toujours hors de portée. Jusqu'à ce que je le trouve. Frank Stone. Ma clé. Mon tueur. Je suis Augustine Lieber. Et je m'apprête à changer nos mondes pour toujours. Bah...
J'imagine que vous êtes le gardien de nuit ici. En effet. Vous seul? Pour le site tout entier? Ah non. J'ai de l'aide. Et qui se trouve où? Le service? Si on veut. Merlin, il va là où ça lui chante. Merlin? Mon chien. Un Doberman pas cher. Le meilleur ami qui soit. Loyal jusqu'au jugement dernier. J'ai plus confiance en lui qu'en moi. Ah, bon, hein. Je me souviens de tout, hein, vu que j'ai fait la démo il y a deux jours. Alors, on va rester sérieux, je dois vous poser quelques questions. Je dois vous poser quelques questions. À votre disposition. Quel est votre nom? Thomas Jefferson Holt. Appelez-moi Tom. Agent Sam Green. Tom, j'aimerais vous parler de... Je sais. Ce garçon disparu. Exact. Vous pensez qu'il pourrait se trouver là? Cette aciérie a l'air vaste. La plus grande de tous, c'est Darhills. Mais ça fait aucune différence. Y a rien de louche qui se produit par ici. Ni sous mon nez, ni sous celui de Merlin. D'accord, ça fait beaucoup de terrain pour produire. Puis-je voir vos entrées? Vous semblez sûr de vous? Et à raison. Puis-je voir vos entrées? Mes entrées? Le registre, les visiteurs, l'écart hors des heures de travail, ce genre de choses. Bien sûr, bien sûr. Bon, ça doit bien être quelque part. C'est ça? C'est bon, permettez-moi. Je vois. Ah, vous buvez, quelqu'un aurait contrefait les entrées? Rien remarqué de suspect. Bah, désapprobateur, donc vous buvez, on s'en fout. On va mettre plutôt interrogateur. Est-ce qu'il a rien remarqué de suspect? Avez-vous remarqué quoi que ce soit autour de la scierie? Cette nuit? Cette nuit, les nuits précédentes, n'importe quand. Non, rien. 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 Ben, si vous me croyez pas, demandez à votre boss. Mon boss? Le shérif Kosich. Ouais. Mon boss. Il est passé la nuit dernière, il a posé les mêmes questions. Et je lui ai donné les mêmes réponses qu'à vous. C'est impossible que ce gamin soit ici sans que Merlin et moi, on le sache. Et qu'est-ce que le shérif a dit? Ok, Tom. Il a repris sa voiture, et il est reparti. Ah. D'accord. Donc personne n'a fouillé la scierie. Dubitatif. C'est tout ce que le shérif a dit? Et c'est tout ce que le shérif vous a dit. Ok, Tom. Ben, il a pas dit tout à fait comme ça. En fait, il a dit... Ok, Nicodème. Nicodème? Ouais, Nicodème. Il m'appelle comme ça depuis une affaire qui remonte à 1954, quand j'ai vu un de ses ovnis. Sauf que c'était un dirigeable qui avait perdu son amarre. On peut se tromper, hein? Certes. Mais c'est là qu'il a commencé avec le Nicodème. Moi, je savais même pas ce que ça voulait dire. Il y a un des employés à la bibliothèque qui a cherché pour moi. Vous savez ce que ça veut dire? J'ai ma petite idée. Nicodème, c'est Nigo! Le shérif de cette ville, ma ville, qui me traite de Nigo en face pendant 10 fichues années! Vous savez ce que je pense, homme? Je parie que vous allez me le dire. Lloyd Kosich déshonore son insigne et sa charge. Les gens de Cedar Hills méritent beaucoup mieux comme shérif. Un shérif qui soucie de leurs intérêts. Est-ce que c'est trop demandé? Pas pour moi. Voilà. Hey. Je parie que vous en valez 10 comme Kosich. Dans ce cas, vous n'avez pas d'objection à ce que je jette un œil. Je vous y invite, Sam. Montrez donc à ce salopard tyrannique comment un vrai policier fait son boulot correctement. Merci pour votre aide, Tom. À votre service.
Ok, nice. J'ai réglé à l'avance la sensibilité, parce que vous me connaissez de ce côté-là, la sensibilité était tellement, mais tellement nulle, vu que moi, je suis à max de DPI sur ma souris, et j'afflame à chaque fois de descendre le DPI. C'est quoi ça? Il était pas ça avant, le A? Instinct de pillard. Pour repérer les babioles. Ah, ça y était pas dans la démo? Avec le petit coffre comme dans Dead by Daylight? C'est énorme! Alors déjà, vous voyez, déjà, là, je kiffe. Là, vous voyez, là, déjà, ça commence bien. Et on peut le faire pendant qu'on bouge, ok. On a un petit cooldown, hein, comme si c'était une perk. Le petit clin d'œil à Dead by Daylight, pour ce côté-là, franchement, je suis preneur. Babiole trouvée, le roi irisé. Alors, j'en ai pas parlé sur ma vidéo, mais je l'ai remarqué parce que j'avais pas fait directement le lien. Mais le roi irisé, donc oui, ça fait, c'est un des add-ons du docteur dans Dead by Daylight. Mais c'est vrai que sur le coup, j'ai vraiment regardé plus la piège d'échec, alors que oui, un des add-ons de... bah, du docteur, c'est une pièce d'échec. Ah, il appelle Merlin. Donc vous voyez, là, pour l'instant, l'instinct de pilleur, c'est pas réactivé. Donc ça veut dire que c'était juste pour nous montrer, pour prendre la babiole. Et on pourra peut-être le réactiver plus tard. Bon, on sait qu'il n'y a pas d'autres trucs à... Après, il y a peut-être d'autres trucs à fouiller. C'est vrai que c'était une démo. Mais on va avancer quand même. De loin, j'ai rien vu. Hein. J'ai précisé que de loin, j'ai pas vu s'il y avait des trucs. Chercher l'enfant disparu. Mais par contre, le jeu, je trouve peut-être même plus joli que sur la démo. Alors, je sais pas si c'est moi. Mais il a l'air d'être plus beau qu'en démo. Vu que la démo, peut-être qu'elle a été restreinte. Je sais pas. Après, c'est peut-être moi. Hein, mais en tout cas, je le trouve vraiment beau comme jeu. J'en reparlerai, je vais le dire encore. Hein, mais là, je m'attendais à un petit truc qui passe. Le chien ou quoi que ce soit. Un petit screamer. Gratos. On va quand même fouiller. On va quand même regarder s'il n'y a pas de truc à fouiller. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc on peut passer. Ah, peut-être là, non, non. On peut passer instant. Donc là, on sait, vous voyez, là, quand c'est allumé, vous voyez, il y a un petit truc qui contourne. On sait qu'on peut prendre le document ou quoi que ce soit. Donc ça, on l'a vu. Donc on peut le reposer. Ça compte comme un dossier que l'on a vu. Sur la démo, on a tout regardé, hein, sur la démo. Donc de ce côté-là, on s'en souvient. Que dans le... Je me souviens tellement que dans le dossier qui était juste là en face, il y avait le nom inscrit du nom de Frank Stone. Donc, ce qui était même bizarre qu'il est dans les documents, mais après, c'est fait exprès. Par contre, on voit qu'il y a des petits soucis de temps en temps, des petits coups de lag, j'ai remarqué. C'est violent. Ça, je l'avais pas vu. The Air Chest... Ah. La flamme la plus ardente génère l'acier le plus robuste. Howard Kinsey Tester. Donc voilà, on voit qu'il y a des petits goûts de lag, on voit qu'il y a juste... Il n'est pas ultra bien... il est bien optimisé, mais pas à fond. Après, sur PC, c'est plus difficile de bien l'optimiser. Tu vas sur console, ce sera plus facile. Toutes les consoles ont les mêmes configs. Alors que sur PC, non. Chacun a sa propre config. Ce qui est tout à fait normal. Tout à fait normal que l'optimisation est un peu, on pourrait dire, foireuse. Là, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien qui est entouré d'une sorte d'aura. Donc, je sais qu'il fallait passer là. Ça, je m'en souviens. Ici, rien à fouiller. On entend le bruit bizarre. Par contre, vous voyez, l'instinct de pillard, il s'est pas réactivé. Ce qui est bizarre. La dernière fois, je me souviens pas qu'on est monté. Je crois pas que j'ai tenté de monter dans la démo.
J'ai pas fait gaffe en fait. On peut y aller. Non, on peut pas. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe si on pouvait avancer ici. Mais ça a pas l'air d'être le cas, hein. Donc on va descendre. Dites-moi en commentaire si vous, il vous intéresse. Ou si vous allez uniquement regarder donc mon let's play ou des let's play. Je suis très intéressé. D'en savoir un peu plus. D'en savoir un petit peu plus. Selon ce que vous allez faire. Hey, monsieur. C'est Agent Green. C'est ça. Vous auriez pas vu Merlin, des fois? Non, désolé. Ah. Tout va bien? Ah, oui, c'est juste... Bon sang, vous sentez rien? Le tarin est hors service. Je me suis un peu trop approché d'une bonbonne de gaz moutarde dans les tranchées. Ah. Il y a des fois, c'est un avantage. Ah. Il faut qu'on trouve d'où ça provient. C'est quoi que ça sent? Rien de bon. Ça, par contre, on n'a pas eu cette converse. Quand il a dit, quand de base il dit c'est Agent Green, eh ben, Tom il dit oui, à monsieur l'agent. Ben voilà, il est un peu plus respectueux. Et il n'avait pas eu les mêmes dialogues. C'est vrai que j'ai changé pour voir et on voit les petits changements qu'il y a eu. Bon, là on sait qu'il va se passer quelque chose. Mais voilà, il y a eu des petits changements au niveau des dialogues. Ce que j'ai remarqué. Voilà mon gars. Et on se demandait où t'étais passé. Reviens mon gars. Bon Dieu. Pour sûr que j'aurais aimé que tous les deux vous fassiez connaissance. Ah, nom de Dieu. Ah. Donc moi qui croyais qu'au début c'était une oreille, ça, donc à mon avis c'est pas une oreille, à moins que c'est une oreille mâchouillée, et après il y aura une oreille. Vous avez sorti ça pour lui? Non. On dirait que quelqu'un a trouvé le chemin du cœur de votre chien, par son estomac. C'est pas possible. Merlin et moi, on est une équipe. Qui se mettrait entre un homme et son meilleur ami? Hein? C'est quoi, hein? Un genre de saucisse? Non, pas de saucisse, mais à mon avis, des intestins. Quelque chose de bien dégueulasse. Et donc là, l'oreille. Jetez un coup d'œil à ça. Ce fichu chien. Vous croyez que c'est au gamin que vous cherchez? Rien ne le prouve, non, ça vient de quelqu'un d'autre. Non, ça se voit de toute façon que c'était pas du gamin. L'oreille est trop grande, ça vient de quelqu'un d'autre. Non. C'était à quelqu'un de bien plus âgé. Un ado, peut-être. Jésus-Marie, mère de Dieu. Vous êtes au courant d'autres disparitions récentes à Cedar Hills? Je sais pas. Qui saurait une chose pareille? Ben, quelqu'un le sait. Exactement. Là, il y a quelqu'un qui le sait. C'est pour ça qu'il a... Et là, il y avait quelque chose, là. Normalement, il y avait... Des pièces d'échiquier, normalement. Il y en avait une déjà dedans. Vous voyez? Il y a une qui est déjà dedans. Et il y en a d'autres. Mais qui forment pas une des pièces d'échiquier. Là, on dirait une sorte de cheval. Ça se trouve, c'était l'hommage à Maurice. Je sais pas. Moi, j'avais pas fait gaffe après ce qui avait été représenté de suite. Moi, je crois que c'était fou l'échiquier. C'était quoi ce bruit? Restez derrière moi. Ouais, reste derrière moi, Tom. Je sais qu'on peut compter sur toi. Bon, c'est quoi ce truc? La grille? Oui, ça sert à quoi? Ça...
C'est pour le fourneau, je crois. Vous n'en êtes pas sûr? Eh, je bosse à la scierie, pas dedans. Trouver de quoi donc pour trouver ce qu'il faut pour forcer l'ouverture de la grille. Ben on sait où il faut aller vu que pour ceux qui savent pour ceux qui ont fait la démo, hein, c'est assez logique qu'on le sache. On prend ça. Bingo. Nickel. Oh, j'adore ce petit bruit. Ding. C'est quand tu prends un objet. Le même son que dans des BD quand tu prends un objet. Oh, il passe par-dessus la grille comme ça à l'arrache. Pas mal. Normalement, il était censé se faire mal, mais on va rien dire. Et on utilise l'objet comme ça. Reculez-vous. Ok. Prenez ça. Et appelez le poste avec la radio dans ma voiture. Où est-ce que vous allez? Vous êtes sûr que le môme est là, en bas? Je l'ignore. Et j'ai un pressentiment. Un mauvais pressentiment. Hé. J'ai besoin que vous preniez ça aussi. Veillez bien à ce que le shérif l'ait. Bon sang, je sais pas. Si, j'ai besoin de ton aide. On va l'encourager. J'ai besoin de votre aide, Tom. Je ne peux pas faire autrement. Je sais pas si j'ai les compétences requises, l'ami. Ça ne s'appelle pas une vocation pour rien. Il faut se bouger pour réussir. Vous pouvez y arriver. Je peux y arriver. Hey. Je compte sur vous, Tom Holt. Allez, nous voilà, trouver un moyen d'accéder à la salle du fourneau. Let's go. Allez, on est courageux, on est chaud. Donc on va avancer. Je pense que le seul passage, c'est là. Il est marqué regarder, alors que je vois pas ce qu'on pouvait voir. J'entends des petits bruits. Pas très rassurant. Donc là, je pense qu'on peut monter là. De toute façon, c'est le seul chemin dans mes souvenirs. Ça doit être par là. Regardez. Ah non, ramasser, je suis bête. Oh, c'est quoi? C'est qui est dessus? On voit quelqu'un, mais... C'est qui? Hein, je vois pas qui c'était. Peut-être que vous le savez, mais moi, pas du tout. Si vous savez qui c'est que je viens de voir sur le pendentif, dites-le moi. Je suis vraiment preneur. Mais vraiment.
Ouais, là, c'est le truc qui était dégueulasse. C'est le truc dégueulasse et qu'on sait pas ce que c'est. Oh. Cet endroit me retourne l'estomac. Je te comprends totalement. Par contre, je sais pas pourquoi t'as fait un petit retour arrière, là. C'était pas très... C'était pas obligé. Ah, c'est là qu'il y avait Billy. Voilà. Le montagnard, l'arme difforme devenu un monstre. C'est bizarre, ici. Relique de tueur trouvée. 1 sur 12. Il y a 12 reliques de tueur trouvées. Et je crois qu'en pièce d'échiquier, on avait été 12 à trouver, ça se trouve. C'est ce que je suis en train de me dire. Saleté d'espace confiné. Peut-être que je me trompe. Là, c'est là où on doit passer. Et on va avancer pour voir s'il n'y a pas un petit truc à récupérer. On sait jamais, hein. Vu que c'est... Ah, regardez, il y a un truc par terre, là. Ah, c'est le truc du... À mon avis, ça, c'est ce qui appartient à Frank Stone, à mon avis. Mon Dieu. Ça, pour moi, je pense que ça doit appartenir à Frank Stone. Je crois un morceau de son casque ou une connerie. Moi, pour moi, ça me fait penser à ça, hein. C'est obligé. Ah, le petit QTE du générateur. Et voilà. J'ai réussi mon premier QTE. Premier QTE réussi. C'est déjà ça. Allez, on grimpe. On avance bien. Et on va prendre, comme la dernière fois, la rampe. Pas l'échelle. Ça se trouve, j'allais dire, ça se trouve, le mec qu'on combat, à mon avis, il veut peut-être en profiter. Oh, un test parfait. Nickel.
Et c'est là que se terminait la démo avec les crochets de l'entité. Et là, ça va être tout nouveau pour moi et pour vous. C'est ok, c'est ok. Ok. Ah ouais, non, c'est pas normal. Par contre, si t'as un truc qui ressemble à ça, c'est classe d'un côté. Hein. On ramasse. Alors, c'est quoi ça? Sa mère, elle et sa mère. Donc, Madison et sa mère. Ok. Bon, bah, en tout cas, maintenant, on avance complètement dans la nouveauté. Elle est en train de refaire un... Elle fait un rêve parmi un rêve. Ou elle s'est réveillée, mais elle est dans une sorte d'illusion où elle va être prise en otage par l'entité. Il y a rien qui va. Ah ouais. Ah mais on est de retour dans sa chambre. Et la photo, sa mère est en train de se faire rayer. Donc à mon avis, elle va être envoyée dans le royaume de l'entité et elle verra plus sa mère. Ça commence à le portrait est rayé. Je le sentais comme ça. Regardez. Regardez le tour, comment il est. Quoi ? Même la porte, elle est à l'envers. What the fuck ? C'est bizarre. Et là, sa mère a disparu, je parie. Ah, pas encore. Quasi. Quasi, quasi, quasi. Ouais, je me doutais qu'elle allait avoir ce genre de truc. Hein. Ah, là, on est dehors. Là, on est complètement dehors. Oh, le sol avec les petits trucs rouges comme ça. Avec les marques rouges. On dirait comme si on est en train de marcher, on est en train de courir dans Dead By. En fait, pour ceux qui connaissent Dead By, quand on court, on laisse des marques derrière nous. On dirait les éraflures. Le petit clin d'œil. C'est vraiment cool. Quand vous connaissez pas Dead By, je peux comprendre que ça peut d'un côté être un jeu juste normal pour vous et que vous avez kiffé. Mais pour ceux qui connaissent Dead by Daylight, c'est encore bien plus que ça. Hein. Mais vraiment. Là, on va devoir se faufiler. Voilà. Let's go. Mais en tout cas, ouais, le jeu, il est beau, il est cool, rien à dire là-dessus. Franchement, j'aime bien. Et là, il y a une télé. Il va y avoir quelque chose dans la télé. Oh, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est le clin d'œil. Mais on dirait les troncs d'arbres où les survivants, ils sont assis dans le lobby. Je sais pas si ça fait référence à ça. Mais moi, j'avoue que ce petit côté-là... Ah, quoique, il y aurait eu fallu un petit feu de camp au milieu et ça aurait fait penser à ça. Mais non. On allume la télé. Et on peut se faire un enfant, donc c'est un émission.
Ressaisis-toi. S'arrêter ou rouler? Non, on va s'arrêter. Salut! Je vous emmène? J'ai un pneu crevé. Et aucun de secours? Exact. Moi non plus. Ok. Bon, donc, vous voulez bien m'emmener? Oh, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez me déposer à Geront Manor. Ce n'est qu'à quelques kilomètres. Ah, c'est marrant. C'est là où je vais, moi aussi. Vous n'aurez pas à faire de détour? Ah, j'imagine que non. Alors, on va au même endroit toutes les deux. Drôle de coïncidence, non? En effet. Enfin, pas si drôle, j'imagine, vu que, vous savez, on est déjà tout près. Et je crois pas que cette route mène ailleurs. Alors, vous disiez que vous alliez à Geront Manor pour les affaires ou... Je n'ai rien dit. Oh. Donc, vous venez d'où? D'où? Bah, vous vivez où? Paris. C'est de là que je viens. Que j'arrive. Avant ça, je venais d'Amsterdam, de Dublin, Milan, Los Angeles et de l'Oregon, il y a fort longtemps. C'est cool. Hey, ma mère est de l'Oregon, enfin, l'une d'elles. Il paraît que c'est vraiment super beau. Enfin, c'est un trou à rat, mais genre un très joli trou à rat. En fait, j'en ai aucune idée parce que j'y suis jamais allée. Je suis de la grosse pomme, c'est là-bas que je suis née. C'est tout juste si je suis allée au nord de la 14e avant de partir à l'université. Ici en Angleterre? Ah non, Berlin en fait. Oh, je m'appelle Maddy, au fait. Linda. Ravie de vous rencontrer, Maddy. Ouais, de même. Même si j'avais peur que vous m'assommiez. Ah, désolée. Que faites-vous dans la vie? Que savez-vous de ce manoir? Alors, qu'est-ce que vous savez de ce manoir où nous nous rendons toutes les deux par pur hasard? Et vous, que savez-vous? Là, non, c'est pas juste. J'ai demandé la première. Bon, très bien. Je ne sais rien du tout, et j'imagine que vous non plus. J'ai pas dit que je ne savais rien. Non, que si. C'est si visible? Plutôt, oui. Je sais seulement que j'ai été invitée pour une entrevue personnelle avec Augustine Lieber et que c'était censé être plutôt chic et aussi plutôt dans mon intérêt de ne pas refuser. Ah. Quoi? Mon invitation était pratiquement identique.
Eh, regardez. Je crois qu'on est arrivé au pied de l'arc-en-ciel. Cet endroit est franchement un peu trop... Trop cliché? J'allais dire un peu trop du genre film d'horreur. Exactement. Alors, on frappe ou... Je sais pas trop. Oh, une sonnette. Peut-être qu'il n'y a personne. Pourtant, c'est bien l'heure à laquelle on m'a dit de venir. Moi aussi. Eh oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Essayer chaque porte est une bonne règle de base. Non, vous croyez ? Bah, on est attendu, non ? Cette règle est chelou. Est-ce qu'on entre comme ça? Pourquoi vous me demandez ça? Parce que vous êtes une adulte. Vous aussi, m'a dit. Alors, on y va. Apparemment. Pourquoi toutes les lumières sont éteintes? Aucune idée. Eh oh! Allons jeter un œil. Bonjour. On est arrivé. Bon, ben voilà les amis, on est arrivé donc. On dirait qu'il y avait le chiffre 2 au-dessus du titre, alors que tout à l'heure, il y avait marqué, je crois, 0 ou 1. Donc, je pense que ça se trouve, c'est soit le chapitre ou... Ouais, pour moi, je pense que c'est le chapitre. Mais les amis, nous, on va se laisser là pour cet premier épisode. Vraiment cool. L'ambiance du manoir, déjà, je kiffe. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et on se dit à très bientôt. Et à la prochaine pour la suite de The Casting of Wrongstone. Allez, ciao, ciao, Mina.